Salut à tous. On se retrouve pour continuer Tear Away Unfolded. Ok. Ah, c'est carré, j'avais oublié que j'appuyais sur X. Après avoir fait Spyro et It Takes Two, j'appuyais sur X pour passer les dialogues. Je me souviens de ça. Je me souviens d'un truc très très long. Que je vais peut-être devoir recommencer du début, non? Ah non, j'étais juste là. J'ai oublié mes touches. Voilà. Ah non, c'est comme ça. Non! Ah, c'est que ça, enfermé sans ennemis. Eh bien. Non. Non, toujours pas. Non. Ah oui. Un gros nom même. Il n'y a pas un trou là, un moyen de le faire rentrer. Attends, je peux l'envoyer là? Non, voilà. Mais très bien, il y avait juste à faire ça. Attends. Voilà. Et là, on y va. Ah mince. Attends. Faut que je prenne ça. Voilà. Je le mets. Salut Enoch, comment ça va? Et là je le mets là et voilà. Ça va, merci. Et merci au Minchao pour le raid. Ah, je peux pas utiliser de vent ici. Ah, très bien. Je pensais qu'ils allaient, me balancer. Faut que je reprenne les touches en main un peu. Tombe dans le vide, toi. Tombe dans le vide, je t'ai dit. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que je peux le prendre en photo? Non, il n'y a pas de lumière à rendre.
enfin de lumière, de couleur à rendre. Il n'a pas perdu sa couleur. Oh! Un Wendigo. Snippet te dit bonjour, j'espère qu'il ne t'a pas fait peur. Tu ferais mieux d'entrer dans mon bureau avant que d'autres scraps n'arrivent. Merci Olincha pour le raid et salut à tous. J'espère que vous allez bien, ou re, pour certains. Snippet vient de faire preuve d'un talent extraordinaire que je ne savais pas possible chez les Wendigo. Elle a changé son apparence. J'ai d'abord cru que c'était le symptôme d'une maladie, mais je pense maintenant qu'elle essayait de se camoufler. Je me demande où elle a trouvé ce motif. Est-ce que ce serait pas moi qui l'aurais... Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dessiné. Ce que j'ai plus dessiné. Oh. Tiens, faut que je lui rende sa couleur à lui. Elle a recommencé, je dois prendre une note pour étudier ce phénomène plus tard. Ah, nous revoilà, père, hein? Même force serait-elle à l'origine du mouvement des touches? Ces deux phénomènes sont peut-être contrôlés par une technologie avancée au-delà de notre monde. Ce drôle de manège a dû attirer l'attention des scraps. Ils se sont infiltrés dans notre refuge scientifique pour les dérober, apparemment. Peut-être qu'ils comprennent mieux que nous leur lien avec la nature de l'univers. Je crois qu'on est à l'aube d'une grande découverte scientifique. Récupère l'or. Ah ! J'espère que j'en ai pas raté. Ah ! Si, j'en ai raté. Y'a pas moyen de mourir pour récupérer les confettis que j'ai manqués. Je dirais que c'est mort. Hein. Faudra que je recommence le niveau pour les confettis. Bon après j'allais forcément recommencer le niveau mais... Si je pouvais recommencer que le début, j'aurais bien aimé... Je pense pas qu'il y ait grand chose ici. Hein. À part les confettis, je pense pas qu'il y ait de PNJ avec un cadeau. Ouais, je dois retrouver mon chien. Ça fait plusieurs niveaux que je dois retrouver mon chien déjà. Hein. Limite, t'oublies son existence, quoi. Tellement ça fait longtemps. Attends, c'est à la suite ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose en bas? Ça n'en a pas l'air. À toi! Te voilà enfin! Bon, je croyais vous avoir perdu tous les deux. Regarde où j'ai atterri. Ce n'est pas juste. J'ai bien cru que je ne connaîtrais jamais la fin de cette histoire. Mais je vais vous dire. J'ai vu beaucoup de scraps dans le coin, et ils allaient tous dans la même direction. Je ne sais pas ce qu'ils préparent. Ils se sont éloignés du scénario. Je n'aime pas ça du tout, mais voyez ce que vous pouvez découvrir. Alors lui, c'est le narrateur. Au moment où on était arrivé à la fin, là, qu'on était allé en haut de la colline, pour lui, c'était la fin de l'histoire, mais il y a la narratrice qui l'a balancé et qui a créé un plot twist. Pour qu'on continue l'histoire. Et du coup, ben, on le retrouve là, visiblement. Le pauvre.
Oh, il y a un PNJ. Oh, c'est le mec perdu, ça. Ouais. Oh là 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 là, ça va être compliqué, hein. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bien évidemment qu'il faut pas faire ça. Qu'est-ce que je fous? Attends. Voilà. Dans la manette. Et on vise. Et toi, tu viens avec moi. Lui, j'ai jamais réussi à le transporter. Hein. Faut pas que je meure. Et pas qu'il se prenne de coups. Et au début, je mourrais tout le temps. Avant de réussir à l'amener à destination. Et la dernière fois, il s'est pris un coup comme ça. Aspire! Ah mince! Ah bah je suis mort. Donc je l'ai déjà perdu. Hein. Tu as perdu ton timbre, je m'en vais. Oui, très bien. Mais j'ai plus le pouvoir d'aspirer, c'est chiant ça. Punaise, mais. J'ai envie de voir s'il a repop. Non, il a des pops, je suis au bout. Ah ouais, mais sans aspirateur, ça va être bien plus compliqué, quoi. S'occuper d'eux. Bah, je m'en suis jamais occupé sans aspirateur, d'ailleurs. Ces mobs-là. Citron sans piquer. Quoi? Ouais, mais j'ai plus de vie, hein. Ouais, mais comment je monte là-haut? Y'a pas un truc à faire avec ça. Attends. Ah, c'était juste comme ça. Très bien. On enlève tout le journal d'ici. Voilà. Ne tombe pas. Voilà. Là-bas, j'espère que j'ai enlevé tout le journal. Ah! Non. Ouais, j'avoue qu'il y a plein de journaux. Hein. Il y en a encore là-haut. J'espère que c'est tout bon. Hein. Ici. Ah, non, ici c'est secondaire ça. Ça m'a l'air d'être secondaire en tout cas. Que veux-tu? Je croyais que ce serait un bon endroit pour s'amuser. On ne peut pas jouer sans ballon. Tu peux récupérer le ballon pour nous, messagère? Ça marche. Oh, tiens, attends. Au fond, là. Est-ce que tout est bon ici? On est encore au fond, là. J'espère qu'il n'y a plus de papier journal. Tiens. Ce n'est pas parce que c'est bientôt la fin du monde qu'on ne peut pas s'amuser. Allez, une petite partie de foot. Quoi? Voilà, mon pote. But. Attends, et je me demande si je me mets en boule. Yes. Trophée obtenu, attrape. Laisse les écureuils jouer la balle avec le messager. Et venez, si vous voulez jouer à la balle avec moi.
Ah bah ils ont perdu leur ballon. Ils ont l'air d'en avoir rien à faire quoi. Ah par contre ça me fait perdre de la vie. Me faire balancer comme ça. Ouais il me semble que je l'avais déjà remarqué en plus, ça me faisait perdre de la vie. Il y a beaucoup de... Punaise mais... Ah ouais. Ah non mais... Casse-toi. Il m'a bloqué, j'avais réussi à monter, il m'a bloqué. Voilà c'est bon. Pour la peine j'ai envie de te balancer. Allez hop. Quand même méchant juste pour m'avoir bloqué mais il y en a vraiment de partout du papier journal. Attends, c'est ça qu'il faut balancer là-haut? Ça me paraît étonnant hein. Oh c'est parti de l'autre côté. Tu vois, petite plante, je t'avais dit que quelqu'un viendrait tout arranger. Et c'est moi ce quelqu'un. Mince. Là, dans la manette, et on vise avec la manette, et on tire. Avec le pad. Tu t'en fais quoi? On refait la même? Je pense que c'est ça. Ouais, exactement. Attends, c'est moi où il y a des ennemis qui se sont suicidés là. Oh, il y a des ennemis. J'ai pas trop envie d'y aller du coup. On va essayer de les viser d'ici. C'est possible. Oh! Vas-y, une deuxième. Mince. J'ai tiré sans faire exprès. Oh, les boules. What? Ils sont suicidés, mais les bébêtes. J'en avais besoin pour un trophée. Oh non! Je me suis suicidé, le bébête. J'en avais besoin pour gagner de ma vie. Tiens. Ah. Mince. Il est bête ou quoi? Il s'est suicidé. Attends. Il y a qui perd ça? Il y a qui me tire dessus là? Ah c'est le mec du dessus. Il y a un mec au-dessus qui me tire dessus. Mais il est bête. Forcément qu'il va pas m'avoir comme ça. Ça change quoi? Ça m'amène à un truc secondaire ou un truc principal? Ah! Ça m'amène là.
Ah, mais il n'y a pas moyen de prendre lui. Il n'y a pas moyen de le tourner de côté, on dirait. Bah ouais, mais lui, il m'emmène obligatoirement. Attends, quoique. Oh, attends. Par contre, je me prends des coups, là. Ou pas? Non. Non. Alors là, je comprends pas ce que je veux de moi. Là, on est d'accord que ça m'amène nulle part. Voilà. Tiens. Je viens de me montrer qu'il y a du papier journal, là. Comment l'atteindre? J'en ai atteint deux. Je sais pas si j'ai pu avoir le troisième aussi. Est-ce que je peux changer le vent? Ah non, mais je sais, mais qu'est-ce que je suis bête? Attends, tu prends ça, tu mets dans la manette. Tu montes. Et là, tu tires. Et voilà. Bah ouais. Ah. Oublie-moi. Punaise. Il me saoule, lui. Oh oh. À l'aide, ils volent nos touches prototypes. Ça représente des années de recherche. Empêche-le de se déverser avant de poursuivre. Vite, avant qu'il ne s'échappe. Mais attends, j'ai pas tué lui. Punaise, mais comment je le tue? Tiens. Oh non, les boules. Oh, je reviens là. Ah, j'aurais dû prendre... Attends, je vais prendre un projectile. Ah mais... Tiens. Voilà, je vais prendre un projectile pour les ennemis après. À la lumière, je vois que elle n'est pas non plus hyper. Elle reste pas à l'infini, la lumière. Yes. Pourquoi quand je l'ai touché l'autre ça a pas fonctionné? Je ne sais pas. Peut-être que j'avais mal visé. Hein. Qui sait? Voilà. Après, faut pas que tu coules non plus. Non, c'est bon. Petite laborantine. Ouf, tu es indemne. Vite, il faut empêcher les scrabs de voler nos prototypes. S'ils parviennent à maîtriser les pouvoirs des touches, nous sommes perdus. Ouais, attends, deux secondes. Deux secondes et je suis à toi. Il s'échappe par le tuyau! Le tuyau!
Attends, attends. Parce qu'il y a des trucs à faire. Là. C'est pas très RP, mais... Genre, là. Enlever tout ce journal, là. C'est important pour le 100%, ça. Vérifions si tout est bon. Non, c'était pas tout bon. Comme quoi, bien fait de refaire un tour. Bien sûr, ici, rien n'est bon. Alors, on marche sur la colle. Non! J'avais pas vu. Je croyais tout est... Non, mais je reviens là, c'est sérieux. J'ai eu chaud, j'ai failli retomber dans l'eau là. Si on peut vraiment appeler ça de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y en a ici. Il y en a un paquet en plus de journal ici. Hein. Les scraps ne se contentent pas de détruire le laboratoire et de voler nos prototypes de touches. Ils enlèvent aussi nos scientifiques et doivent les utiliser pour construire quelque chose. Ils ont fait passer nos recherches par ce tuyau. On devrait les poursuivre, mais je suis scientifique, pas spéléologue. Oh, il y a de la colle là! Mince! Oh là là, les boules. Fait n'importe quoi là. Là c'est totalement ma faute. J'ai voulu aller trop vite et je paye le prix. Mais... Là on va direct ici. Alors par contre, j'ai pas un saut assez long pour aller là-bas. Non mais j'ai sauté, mais non, j'ai sauté. Je suis désolé mais j'ai sauté. Mais rentre. Passer par l'autre côté. Voilà. Saute. Et tu sautes. Et tu prends la colle. Oh! Sérieusement? Ah, le cadeau. 1 sur 8! Ah bah oui, c'est le début du monde, normal que ce soit un survit. Je suis bête. Bon, on a vu un autre cadeau. Hein. Oh, je suis où là? Attends, faut que je te prenne en photo toi. Mince.
Ouais, mais t'as perdu ta couleur. Tu peux pas la récupérer? Bon, on voit pas grand chose, mais il a récupéré sa couleur. C'est ça. C'est déjà ça. Alors, du coup, je saute dedans. Voilà. Ah, il y a un truc avec la croix. Chaque fois que je saute, ça fait du bruit. Les créatures nous ont plongé dans le noir. Ne laisse pas s'enfuir, éclaire le chemin. Quoi? Fait une flamme? Oh non! Oh non, j'avais oublié qu'il fallait dessiner. Je vais faire la flamme la plus basique, mais oh là là! Là, je dessine sur le pad. Oh là là! Quoi? Ah, j'ai dû relâcher un peu trop. J'ai dû un peu trop relâcher. Bon, ça va, encore une flamme, c'est pas ce qu'il y a de pire. Faudra que je vous montre. Voilà. Faudra que je vous montre. Ah, c'est pas une flamme, ça. Hein. Beaucoup mieux maintenant, poursuivez. Il y a plein de trucs là. Vas-y. Et là. Est-ce que... Oh, œuvre en papier. Ah mais non, c'est... Il n'y a pas mes dessins. Dommage. Mais après, je peux toujours vous le montrer. Si je trouve comment on modifie la tenue du personnage. Oh. Ah, je crois que ça le recentre, ça. Non? Ouais, ça le recentre. Ah, voilà. Regardez, ça, c'est ma couronne. Je vais la recentrer un peu. Bon, voilà, ça c'est une couronne avec un rubis au milieu. Et ça c'est mon badge de l'amitié. Et ça c'est mon tatouage de cœur. Et ça je sais plus ce que c'est. Mais c'est moche ça, enlève-moi ça. Qu'est-ce que ça fout là? Et tes yeux aussi, j'ai pas pris ses yeux moi. Quoique pour avouer, je les ai pas choisis. Et voilà, pour vous montrer un peu mes chefs-d'œuvre. Certains appelleraient ça des chefs-d'œuvre. Hein. Faut oublier que. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah non, elle va me demander de redessiner une flamme. Faut oublier qu'il y a des gens qui achètent des statues invisibles, quoi. Donc moi. Ah! Moi, je suis plutôt pas mal. Ok, attends. Boum, propulsion. Ah non! T'es pas prêt. Non, mais je l'ai pas lâché, c'est pas vrai ça. Voilà. Il y a des trucs là-dedans. Oh, cette caméra, c'est vraiment un des gros défauts du jeu. Hein. Le jeu, il est vraiment bien, mais la caméra, c'est... Le problème, c'est que le jeu, des fois, il la contrôle tout seul. Tu peux pas la contrôler à certains endroits. Et du coup... Quoi? Fallait amener l'écureuil abandonné. L'écureuil perdu jusqu'ici? Ah ouais! Mais je l'avais totalement abandonné, totalement oublié tellement.
Là, je fais du vent avec le pad aussi. Enfin, je sais plus si ça s'appelle le pad ou pas. Attends, je peux faire du vent ici. À quoi sert le vent? On va faire après R le chemin, ok. Le truc au milieu de la manette, là, quoi, en gros, qui est tactile. Je sais plus si ça s'appelle le pad ou pas. Arrive-moi tout ça. Ils sont chiants avec leur journal, là. Ils peuvent pas aller polluer ailleurs. Mais je suis où? Ah, je suis là. Je pensais que j'allais atterrir de l'autre côté. Ouf, j'ai eu chaud. Pas mal ces mécaniques de touche. J'aime bien. Quoi? Non! En plus, je suis mort de chute, quoi. C'est incroyable. Censé m'amener où? Je comprends pas. What? Attends, mais il faut que j'aille où? Ah non, voilà. Là, j'appuie sur... Oh oui! Alors là, je vais partir en clos, là. Aïe! Les boules. Quoique j'ai pas besoin de partir en clos, j'ai juste à faire ça. Ah! Revenez, bande de chenapans! Ah oui! Ah bah non. Ah bah non, fallait que je rappuie. Pas juste que je lâche. Comme ça. Alors là... What? Mais je rappuie, elle saute pas. Non, elle saute pas. J'ai peut-être trop vite pour qu'elle saute. Non, ça va trop vite pour qu'elle ait le temps de sauter, je pense. Elle a pas le temps. Ah si, elle saute, mais vu qu'il y a la plateforme en dessous, ça l'a fait atterrir sur la plateforme. Ouah, mais je l'ai comment du coup? Déjà, je suis pas sûr de faire un saut aussi loin. Hein. Moyen de faire avec le vent. Ah, il y a quatre. Ah, mais il y a toutes les touches. Hein. D'accord, mais attends, mais j'appuie sur les trois, voilà. Bah non, je peux pas. Là, si je fais rond. Non. Vas-y. Non, mince, j'ai lâché. Ok. Non, faut pas que je lâche. Non, j'ai lâché. Oh là là. Là, c'est compliqué avec la manette. Hein. Le pouce, faut le contorsionner. Voilà.
coup là. Carré. Ouh, j'ai chaud. C'est bon. Ah, fallait comprendre, mais c'est passé. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des choses ici. Il m'oblige à charger nos touches sur ces rails. Ils construisent quelque chose à l'autre bout. Oh, ils avaient aussi un petit animal poilu en cage. Je crois qu'il s'appelait Sparky. Oh, c'est moi. C'est mon chien. Il y en a là. Attends, je viens de me souvenir que tout à l'heure il y avait un cadeau derrière que j'ai oublié. Je viens d'y penser. Oh, je suis bête. Quoi? Quoi? Waouh. Oh mince! Quoi? Mais... Vu qu'elle est en boule, elle roule. C'est chiant ça. Là, on fait X. Là, on fait carré. Là, on fait rond. Là, on fait X. Mais est-ce que ce serait pas la suite ça? J'ai pas trop envie d'aller voir la suite là. On va se suicider. Et on va voir là. Ouais, là, ça a l'air d'être. Quoique. Non! Non! C'était la suite en fait! Oh non! Les boules! Non! Meurs! Non, je repop là, les boules. J'ai raté tellement.
jeu. C'est juste qu'il faut en faire 500. Ah bah c'est bon, maintenant j'ai plus besoin d'être si stressé. Ah ouais, ça régale ça. Bon, je le fais quand même parce que je suis maniaque. Le trophée il a raison. Et voilà, si j'en rate, comme j'ai raté le tuyau tout à l'heure, ben au final... Non, 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 non. Alors, vas-y. Et là, on rebondit avec le pad. Et là, on ressaute. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un cadeau, non? Voilà. Bah ça y est, maintenant j'ai la... En tête, j'ai... On est les animaniacs. Oh, c'est Sparky! Ah ouais, près de 11 000 confettis. Ah, je sais plus ce que c'est. Ça dégage. Oh oh. Oh, je te tue. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Oh oh. Oh non, les mecs volants, mais comment je les tue moi les mecs volants? Je sais pas comment les tuer. Oh non! Ça vise le mauvais! Voilà, lui, tu le tues. Maintenant, on roule à récupérer... voilà, récupérer un caillou. Je le mets dans ma manette. Ensuite, je lui tire dessus. Si j'arrive à le viser. Qu'est-ce que je suis nul. Oh, il y a un mec là-bas. Allez hop. Il y a un mec là-bas, faut lui rendre sa couleur. Ah! Je sais pas viser moi aussi. Moi je peux viser un mec qui ne bouge pas, mais un mec en mouvement, les gars. Mais j'ai pas besoin de les tuer en vrai. En prêt pour le 100%, j'ai besoin. Certes. Wow. Wow, c'est quoi tout ça? Attends, le mec qui vole, voilà. Les gars, venez. Je suis où moi? Ah, je suis tombé. J'ai mis père. C'est pas ouf hein, mon gameplay. Hein. Voilà. Non, mais c'est bon aussi. Les gars, vous exagérez. What? Tiens, la vidéo qu'on a pris la dernière fois.
Il nous a servi pour sauver Sparky. Ah, c'est beau. Les retrouvailles. Et bouffe-moi ça, mon pote. Il y a toi là-haut, j'aimerais bien te prendre en photo. Voilà, j'ai 30 ta couleur. Alors dans ce niveau, il y a quoi? On en est à où? 63 ennemis tués sur 91. 2 couleurs rendues sur 3. Un cadeau bleu sur 3. 2 cadeaux rouges sur 8. Ah ouais, j'en ai raté plein. 264 confettis sur 299. C'est pas mal, les confettis en tout cas. Que faire? Travailler ensemble. Saute pas, toutou. Hein. Y'a là, toutou. Y'a à manger pour toi. Mais bouffe! Ah ouais, y en a un, il sert d'esclave. Après, peut-être qu'ils le font à tour de rôle, mais j'en doute. Ah bah, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, il servait vraiment d'esclave. Oh mince! Je regardais pas. Je regardais mon pointeur lumineux. Mais c'était facile à le faire descendre en fait. Wow, 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 wow. Wow, les gars, calmos. Wow, ça part dans tous les sens. Toi, saute plus dessus, saute plus dessus. Ouais, il saute. Vas-y. Tiens. Vas-y. Et là. Voilà. Quoi? Ok, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Je rate de plus en plus de cadeaux par contre. Parce que 2 cadeaux rouges sur 8. C'est beau. Ah mince! Je l'aurais fait trop tard du coup. J'aurais fait trop tard et j'aurais raté un cadeau, je suis au bout. Viens toi. Est-ce que t'as moyen de me ramener ce cadeau? Non? Tu peux pas me le bouffer?
Bon bah les boules hein. Même quand je les trouve, les cadeaux, je les rate. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah ouais. Mince, trompé de touche. Et je le balance là-bas. Oh mince! Et je le balance là-bas, j'ai dit. Comme ça, il bouffe la truc et il me descend ça. Alors le chien a l'air... Mais cette caméra, le chien a l'air content de le voir, pas moi. Hein. Attends, je suis où là? Ils m'ont fait avancer un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, viens là. Ok. Dégage hein. Maintenant tu reviens là. Voilà. Maintenant tu dégages. Alors reviens là. Bon écoute, tu comprends pas. Ah. Ces grottes étaient si paisibles autrefois. Jusqu'à ce que ces saletés carrées débarquent. Qui nous débarrassera de ce fléau? Voilà. Bouffe-moi ça. Oh oh. Ah non. Il sera pas gentil du tout. Ah si. Plus que gentil même. Et voilà. Oh oh, je le laisse me régaler hein. Je regarde, c'est tout. La touche pavé tactile pour pourquoi je voudrais passer. Ah. Est-ce que ça y est, c'est fini avec le chien? Est-ce que je pars seul? C'est sûrement là qu'ils se cachent tous. Ah non, c'est bon, je suis pas tout seul. Oh! C'est le dernier monde. Ah, c'est bon, on a tué tous les ennemis dans le précédent monde. Et il nous manque à 35 confettis, c'est pas mal quand même. Le repère, c'est... Bon, à part un plot twist, c'est le dernier niveau, quoi. Déjà la fin. Et là, contrairement à l'autre fois où je trouvais ça court, j'y croyais pas trop que c'était la fin, je trouvais ça court. Là, j'y crois à la fin. Ah, ah, ah. Après vous, mais quel lâche. Non. Je ne laisse pas seul. La tournure que ça prend.
Je n'ai aucune sympathie pour ces sales petites bêtes. Le repère. Waouh. Bah écoute, si t'as pas encore le trophée des 500, tu peux l'avoir ici, hein. Je me doutais que tu finirais par nous rejoindre. Est-ce que c'est ton idée? Ne sois pas ridicule, enfin. Les Scraps ont traîné tout ça ici sans mon intervention. Ils ont volé les travaux de la scientifique. Ils savent absolument tout sur les vies. Ils savent tout sur eux? Là, dehors? Ceux qui appuient sur les touches? Oh, ce n'est pas bon, ça. À toi, découvre ce que complotent les Scraps. Et dépêche-toi, avant qu'il ne soit trop tard. Ok, alors toi, Kikashi. J'ai observé les Scraps depuis un centre de recherche de fortune. Ils construisent un nid sous l'île. Ils sont capturés des ondins, mes collègues scientifiques et même des Wendigo. Si tu les libères, ils t'aideront peut-être à mettre fin à cette folie. Je fais très mal la personne qui a peur, hein, je pense. Honnêtement. Attends, c'est la fin là? C'est la suite, je veux dire. Ouais, ça a l'air d'être la suite. Oh! Monsieur, vous allez bien? Bon, en vrai, je vais pas m'amuser à tout faire non plus. Hein, parce que c'est géant quand même. Alors, déjà, non. Non. Voilà. On récupère tout ce qu'il y a ici. Maintenant tu peux monter. Voilà. Et bah c'est un peu... Faut avoir une bonne coordination de ses doigts. Donc, autant dire que je suis... mal barré, honnêtement. Autant s'il fallait avoir une bonne mémoire, ok, mais là. J'ai cru en haut c'était un boulon en or. Je suis pris encore sur Ratchet. Sur Ratchet et Clank. Oh. What? Bon, moi je sais où est la suite. Chose non? Ouais. Et go. Ouh, j'ai eu chaud. Parce qu'il y avait une petite marche que j'étais obligé de sauter. Et heureusement, il y avait un petit rebord, même si je lâchais carré, je restais. Ici, il y a quelqu'un à libérer, non? Oh, c'est mon cœur! Mon cœur, ma moufle et... C'est quoi ça? C'est mon étoile? Je sais pas. Tellement moche, je sais pas. Couronne. Je vois ce que c'est, mais je sais plus. Je vois quand je l'ai dessiné, mais je sais plus ce que c'est. Ça, c'est mon poisson. Mon poisson trop bien fait. Toi. Contrant ta couleur. Oh, en plus, c'est la mode. C'est la mode ce pelage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah mince. C'est du gars, je peux pas. Mince, j'ai pas réussi à esquiver. Oh là là. Essayer de l'attraper. Allez, nous sommes coincés. Nous avons analysé la trouée dans le ciel et étudié les touches, mais nous n'avons pas vu ce qui se passait sous nos pieds. Peux-tu nous faire descendre? Nous devons voir ce qu'ils construisent si nous voulons les arrêter.
Mais il est mort l'autre. Ceux qui volent, je sais pas comment ils meurent, mais... Comment je les fais descendre? Quoi, je t'avais pas vu toi? Ouais, t'es mort. Alors ça, comment je le passe? Y a pas de vent, non. Est-ce que si je balance un truc dessus? Non, y a rien. Là, je suis bloqué. Hein. Attends, si je fais ça. Et que je viens là. Oh bah tiens, attends, il y a ça. Ah voilà. Ah oui, c'est quand même violent. Merci, essaie de descendre, nous allons voir ce qu'il fabrique. Et non pas ce qu'il se fabrique. Au revoir. De la colle ici, non? Pas du tout. Mais... Quoi, il a pas sauté? Non! J'ai paniqué. Là, c'est moi qui paniquais. Je l'avoue. Je l'admets. Ah, je peux plus l'avoir. Ah non, mais je crois qu'il est devant en fait. Ouais, il est pas à droite, il est devant. Et quand je vais me propulser, voilà, je le chope. C'est une illusion d'optique. Oh non de non! C'est l'une de ces choses comme ce que le voit dans les mains. Une manette. Ils ont fabriqué leur propre boîte à touches. Ils ont compris d'où venait la puissance du vous. Et ils veulent se l'approprier. Il ne faut pas qu'ils l'allument. Nous devons les arrêter à tout prix, ou cette histoire n'aura jamais de fin. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y a des touches partout. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué? Bon, moi qui disais que j'allais continuer, même après le trophée, à effacer le journal, laisse tomber, quoi. Oh, calme-toi. Bon, ça va que c'est pas non plus... Pas non plus 20 000 touches, quoi. Y'a qui comme ennemi, ici? Monsieur, casse-toi. Top 10 des images prises avant de mourir. Ah, attends. Tape-le. Salut Greg, comment ça va? Je t'avoue que je pourrais pas te répondre, j'ai jamais fait ça, le boy. Donc je pourrais pas te répondre sur cette question. Attends. Cinématique. C'est bon. Mais en fait, c'est un ancien jeu qui était sorti de base sur PS Vita pour prendre avantage de toutes les fonctionnalités de la PS Vita,
Puis il a été refait sur PS4 pour prendre avantage de toutes les fonctionnalités de la... Ah. Ah. Prendre avantage des fonctionnalités de la DualShock. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh oh. J'espère qu'il n'y avait pas des confettis à l'intérieur. Tu m'as sauvé la mise, de rien. Par contre, du coup, je sais pas comment monter en haut. Pour l'instant. Et ouais, ce petit jeu, il est sympathique. Là, j'y joue sur PS5. Donc avec la DualSense. Et je regrette un peu de pas l'avoir fait sur PS4 avec la DualShock. Ça doit être plus immersif, même si... ça reste les mêmes fonctionnalités, quoi. Et c'est vrai que quand je joue à ce jeu, je me dis que la DualShock, elle a tellement de fonctionnalités, c'est dommage que tellement peu de gens en aient profité, quoi. La DualSense a l'air de changer un peu. Avec Ratchet & Clank et Returnal qui en prenaient un peu avantage. Et Astro Playroom qui... Lui, bah, c'était... C'est un autre niveau, hein. Donc faut espérer. Faut espérer qu'ils utilisent un peu mieux, parce qu'ils te font des manettes avec des fonctionnalités de fou et du coup super cher, mais s'ils profitent pas des fonctionnalités, bah, ça sert à rien, quoi. Mais j'ai du mal, hein. En même temps, les sauts sur ce jeu, le problème c'est que quand tu sautes, ton personnage, quand il atterrit, il se déplace un peu. Attends, mais en fait, je peux pas. Mais alors, comment je vais de l'autre côté? Ça, je vais mettre dans la manette. Là, tu regardes, je fais bouger la manette pour ça. Là, je glisse sur le pad et ça fait ça. Par exemple. Avec le pad aussi, un moment dans le jeu, ça te demande de dessiner avec le pad. Ah non, j'avais pas vu que... Sur le X, il y avait un tambour. Je suis où, là? Ah, j'avais pas vu. Attends, je viens de libérer mon pote. M'attaque pas, hein. Ah. Tiens. Ah, j'avais pas vu. C'est compliqué, hein. Il te reste quoi comme trophée pour Platine Ratchet, du coup? Il te reste lequel? Ou lesquels? À part le trophée du Platine, bien sûr. Non, attendez, je vais vous amener vers lui. Et voilà. Allez-y, les gars. Faites connaissance. Voilà. Il est tout content, il va partir. J'en suis à combien du repère? 61%. Ah oui, on est vraiment proche de la fin du jeu, hein. Par exemple, je le montrais tout à l'heure. Alors, je vais essayer de retrouver la touche. Voilà. Regarde, par exemple, ça. C'est moi qui l'ai dessiné sur le pad. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. En fait, tous les trucs les plus moches sur mon corps, c'est moi qui les ai dessinés, quoi. Et avec le pad. Et moi, rien que dessiner avec le pad, j'ai eu ma PS4 en décembre 2016, pour Noël, en 2016. Et jusqu'à fin 2020, début 2021, il y a des fonctionnalités que je connaissais pas. Il y a des trucs que j'ai appris avec Ghost of Tsushima l'année dernière, ou Death Stranding que j'ai fait en début d'année. Comment je descends, moi? Ah, il y a un tuyau. Ah, j'avais pas vu.
C'est vraiment dommage ça. Pendant 4 ans, j'ai joué à une console, il y a des trucs que je savais pas. Oh, une manette. Je crois qu'ils vont bientôt l'activer. Vas-y, je fonce, mon pote. Souhaite-moi bonne chance. Si la chance n'existe pas. Oh, il y a lui. Ah, t'as pas fini encore le jeu. Ça marche. Rebondir sur les ballons, moi je l'ai eu. C'est un des premiers trophées que j'ai eu. Je l'ai fait sans... Mais moi je les platine, Ratchet. Je les platine il y a quelques jours. Il me manquait... Au moment d'aller en NG+, il me manquait juste les armes. Et le... Et tuer les... Comment ça s'appelle? Tuer 5 Grungor. Parce qu'en fait j'ai... Je me suis renseigné et ce trophée il est un peu bugué. Il y en a certains, ils l'ont tué. Ils en ont tué 5, mais... Ils étaient obligés d'aller en NG+, pour en tuer d'autres. Car ça leur comptait pas. Et moi, je suis sûr à 99% que j'en avais tué 5. Mais, attends. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je suis sûr à 99% que j'en avais tué 5, mais... Ça me l'a pas compté, donc... Oh, mince! J'ai pas de projectile pour tuer, lui. Ah, mais je peux pas en plus en récupérer un. Vu que je vais rappuyer sur carré après. Attends, je vais te libérer, PNJ. Aïe. Ouais, par exemple, le... Ah bah non, tabac. Tu sais peut-être pas. Mais je sais qu'il y a des dinos qui sont pas pris en compte, ouais. Et je sais pas si t'as fait biomutant, toi. Ou pas. Attends, j'ai... Attendre de reprendre un peu... Un peu de vie. Voilà. Ah oui, faut pas que j'oublie. Si j'arrive pas à les avoir par surprise, je peux mettre du vent. Je peux mettre du vent comme ça. Je peux les faire tomber. Ils essaient de mettre la machine en route, je vais tenter de les arrêter. Personne ne nous arrêtera, nous refusons d'écouter les voix dans le ciel. Nous reprenons le contrôle de ce monde où... J'aime pas qu'ils savaient parler. Ah bah je vais essayer de les arrêter. Personne ne nous arrêtera. Ok, bah je le fais alors. Et bah lui, il a même pas attendu 2 secondes que je m'occupe d'eux, hein, non? Sauter, voilà. Saute par dessus bord. Il me saoule lui. Tiens, voilà, tu meurs. Toi. Désolé ma petite assistante, je ne peux pas l'arrêter. La machine explosera si son énergie n'est pas libérée. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que leur chef ne s'en empare pas. J'ai déverrouillé l'accès jusqu'à lui. Oh, incroyable! Ah non! Ah! Ah ouais, il faut... Comme je l'ai dit tout à l'heure, coordination... C'est pas mon fort. Hein. Encore, je trouve que je m'en sors pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, attends. Peut-être. Non, mince. Non. Ah non, je sais pas ce que je dois faire alors. Ah! Ah bah oui, c'était un.
Un pad. Il fallait appuyer sur le pad. Bien évidemment. Mais c'est compliqué, hein. Faut qu'il me fonce dessus et que je les vise avec le pad. Punaise. Non mais j'y arrive pas, hein. Ah non. Et essayons avec le vent, mince. Ah, je suis mort. Oh non, je recommence là, les boules. Oh non! Moi, Biomutant, je l'ai fini il y a quelques jours. J'ai vraiment bien aimé. Hein. Je sais que beaucoup l'ont critiqué, mais... Et parfois a raison. Hein. Le jeu a des défauts. Ça, c'est clair, le jeu a des défauts. Et franchement, j'ai passé un bon moment dessus. Le platine, il est prévu, même si pour l'instant... Pour l'instant, je l'ai un peu mis de côté parce que le platine, il risque de me prendre un peu de temps. Pas des masses, mais un peu quand même. Donc, je préfère pour l'instant attendre. J'ai plein de jeux à faire, j'ai plein de jeux de côté, donc pour l'instant, je l'ai fait. Si un jour, j'ai un petit live imprévu où je sais pas trop quoi faire, pourquoi pas un peu de Biomutant. Je pense qu'en vrai, en 2-3 heures, je l'avais fait le platine de Biomutant. Ah. J'avais pas compris qu'en fait, il visait la lumière. Mince. Si j'avais su, j'aurais pas tant galéré sur eux. En vrai, je pense en 2-3 heures, il est fait le platine de Biomutant, mais il faut trouver le goût de s'y mettre, quoi. 2-3 heures juste pour se TP de partout sur la carte, faire des trophées. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a alors? Très bien, je vais lancer l'étape finale, mais uniquement parce que nous risquons d'être réduits en miettes. Qu'est-ce qui... Oh! C'est la lumière de la manette PS4. Mais j'ai sauté, c'est n'importe quoi. Attends. Bah ouais, en plus, en restant appuyé sur carré, tu peux sauter. Donc, je sais pas pourquoi... Oh... Et on dégage. Et bien on dégage. Le pouvoir est à nous. Non, à moi. Je vais contrôler ce monde. Nous ne subirons plus la volonté des autres. Hein? Élimine-le. Voilà. Et sauter dessus. Déjà, eux, je vais les éliminer. C'est plus facile. Voilà. Tombe. Toi. Et toi, tu viens. Et tu vas taper là-dedans. Voilà. Et je te saute dessus. Oh, oh. Quoi? Oh, il a fermé mon jeu. Les scraps envahissent le système à présent. Arrêtons-les tout de suite. Wouah, le système PS4, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Regarde, ça c'est une couronne que j'ai dessinée. Elle est belle la couronne. Hein. Le truc rouge au milieu, c'est un rubis. «
J'aime trop cette couronne, hein. J'ai vraiment gagné le pouvoir. Attends, le pouvoir lui monter à la tête, vite, il faut faire quelque chose. Je ne vois pas pourquoi on devrait les aider. Allez, il y a eu assez de destruction. Ouais. Le vrai pouvoir des vous, c'est de créer. Il crée des cadeaux. Mince, j'ai passé le premier texte sans faire exprès. Il crée des cadeaux et aide tous ceux dans le besoin, sauf les scraps, qui nous donnera ce que nous voulons. Oh, tu veux quoi, monsieur? Je vais te donner un petit cœur, mon pote. Mon petit cœur, mon petit tatouage de cœur, tatouage de pirate. Je sais même pas ce que c'est, ça. Ah oui, c'est des lèvres. Ça, c'est des lèvres, ça. Mon pote, mais ce que je lui fais, là, c'est... Ah, c'est ça, c'est un chapeau. Mais ce que je lui fais, ça, c'est... C'est détestable, ça. Il va me détester encore plus quand je lui mets ces trucs, des trucs comme ça. Même ça, c'est un nuage, quoi. C'est moche pour un nuage. Vas-y. Des petites boucles d'oreilles. Ça te dit? Les mon petit poisson, c'est mon plus beau dessin, donc je vais te le mettre ici. Et voilà, terminé. Mon beau gosse. Ah, ah, qu'il est moche. Tu as fait ça pour nous? Mais, c'est... C'est tout ce que nous voulions, être personnalisé par le vous comme les autres. Maintenant, on fait partie de l'histoire. Mes très chers Scrap, le vous et la messagère ne sont pas nos ennemis. Nous n'avions pas besoin de voler les choses, il suffisait de demander. Nous faisons partie de ce monde à présent. Encore fini. Ouais, parce qu'il me faut le platine. Vous avez vraiment été incroyable. Merci. Tout le monde parle des aventures de la messagère et de son amour dans la vallée du Grand Pli et à Porsog. Mais il leur reste... Ah ouais? L'histoire de la livraison de ce message, bien que je n'en sache pas beaucoup là-dessus. Nous sommes entre les pages. Il y a tant de possibilités. Comment faire le bon choix? Ils doivent nous montrer le chemin. Que se passe-t-il? Très mystérieux tout ça. Quel monde, ça? Ah oui! Ah ouais! C'est un long niveau! Moi, je pensais que c'était que ça allait être court, mais non, en fait, c'est loin d'être fini! Ah oui! Attends, je peux monter, là. Comment, je ne sais pas, mais je peux monter. Ah non, mais c'est la suite, je suis bête. Bon bah moi je vais arrêter là. Je pensais que c'était la fin. Et que du coup en attendant la sortie d'Alex Kidd vendredi de la semaine prochaine, le remake d'Alex Kidd, on allait continuer à live pour le platine. Mais non, il y a encore des niveaux.
Là, je suis très étonné. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si long. Mais je vais en terminer pour aujourd'hui. Je reviens demain exceptionnellement. Vu que je suis en congé, demain après-midi, je fais un live It Takes Two avec mon frère. Et demain soir, on retourne sur Tearaway pour continuer. Du coup, la découverte de ce nouveau monde. J'allais dire haute en couleurs, mais pas tellement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et à la prochaine!